Miom par une victoire. On rappelle qu'il y a encore deux courses derrière à suivre sur Internet. Allez. Allez, c'est dans la stalle et ça va partir pour un voyage de 2300 mètres. Et les voilà partis avec un bon départ d'ensemble qui sourit au numéro 6, Lady Goldick. Son extérieur Ameria qui est reprise. Et puis voilà maintenant ce dévouant au rôle de leader, Trooper, qui vient prendre le commandement. Trooper qui prend la tête, Lady Goldie dans son dos, Ameria en épaisseur. Ils sont suivis par Mabouba ainsi que Polar Clay. Le 5 qui s'installe en tête désormais, c'est Ameria devant Trooper, l'As qui est en deuxième position. Pas trop de rythme, hein, c'est normal, on est sur la longue distance. On retrouve ensuite le 4, Polar Clay, qui est un peu en dehors et qui tire beaucoup surtout. Là, c'est un peu inquiétant pour Polar Clay. Lady Goldie, le 6, est avant-dernier. Et c'est donc le 7, Mabouba, qui ferme la marche, la Kazakh noire. Ameria qui tente de chercher son salut dans la fuite avec 5-6 longueurs d'avance. Et du coup, Trooper est obligé d'avancer un peu derrière en chassant, ce qui n'est pas toujours la position la plus idéale. Plus loin se tient Polar Clay, qui est accompagné encore en dedans par un concurrent qui patiente, Lady Goldie. Et c'est toujours Mabouba qui suit librement, qui ferme la marche. Le tournant du chemin de fer avec toujours nettement en tête Ameria. Derrière, on s'organise et on revient progressivement avec Trooper, l'As. En dehors, Néovent, Polar Clay, seul concurrent à voyager en épaisseur, en ayant en plus tiré au début. Lady Goldie vient ensuite et Mabouba ferme toujours la marche pour l'instant. On a nettement repris en tête. Hein. Oui, Trooper qui est revenu sur les talons hein, de l'animateur et qui se décale d'ailleurs pour ne pas pour le moment avoir de surprise avec Trooper qui vient à la hauteur d'Ameria, qui vient déborder d'ailleurs Ameria facilement. Non loin se tient Goldie qui progresse. On est un peu sollicité avec Polar Clay et puis on a un peu de ressources avec Mabouba pour le moment qui patiente et qui essaie de s'accrocher au moment du démarrage. Et Ameria c'est terminé. Hein. Le tournant final avec Trooper qui a toujours l'avantage à l'extérieur. On vient trois quarts avec Lady Goldie en troisième position, le numéro 7, Mabouba. Les autres sont battus. Le numéro 4, Polar Clay ne peut pas suivre. Et le 5 fait ce qu'il peut. Ameria en dernière position. Et Trooper qui va être attaqué par Mabouba, hein, qui vient lui porter une belle attaque, alors que Lady Goldie semble dévouée à la troisième place, avec Trooper qui résiste pour le moment. Mabouba qui essaye de refaire du terrain. Trooper qui a l'avantage sur Mabouba devant Lady Goldie. Trooper a toujours l'avantage. Mabouba accentue la pression. Est-ce que Mabouba va pouvoir venir chercher Trooper? Mabouba, Trooper, Mabouba qui prend peut-être l'avantage. Trooper qui repart. Trooper qui va résister à Mabouba. La troisième place sera pour Lady Goldie. Ouais, Lady Goldie qui a versé dans la phase finale à 7, 6 et 4. C'est l'arrivée de cette épreuve.